Vous avez choisi de me donner la parole pendant 5 minutes face à une caméra. C'est épouvantable, ça s'appelle un tunnel, donc ce sera fatalement ennuyeux. Alors j'ai cherché un sujet qui ne va pas moins ennuyeux que d'autres, en tout cas qui me tienne particulièrement à cœur, et on comprendra que je parle de l'Europe. Je parle de l'Europe parce que ça a été une grande partie de ma vie professionnelle, de ma vie politique. J'ai été député européen à 2 reprises. Pendant 6 ans donc, j'étais vice-président du Parlement européen, entre-temps ministre des Affaires européennes de 1997 à 2002, et j'ai été aussi le représentant de la France dans la Convention européenne dirigée par Giscard d'Estaing qui a préparé le traité constitutionnel européen qui n'a pas été voté pour les Français. Je le regrette parce que j'avais voté oui. Et j'ai fait ça parce que l'Europe, pour moi, c'est une très profonde et ancienne conviction. Nous sommes dans un monde qui est un monde qui s'organise en espaces régionaux, dans lequel les pays européens seuls ne peuvent pas faire face au désordre de la mondialisation, ou si nous entrons divisés, à ce moment-là, nous offrons aux autres, aux Américains, aux Chinois, aux Brésiliens, aux Indiens, eh bien notre faiblesse. Et je suis persuadé que l'Union fait la force. C'est ce qui m'a amené à militer dans ma vie pour l'élargissement de l'Union européenne. Je sais que cet élargissement est controversé, mais j'appartiens à une génération qui a vécu la chute du mur de Berlin comme une libération. Et quand je me retrouve à Budapest, ou à Prague, ou à Varsovie, je sais que je suis en Europe. Il fallait le faire, l'histoire frappait à notre porte. Je milite aussi pour une Europe politique, et enfin, pour une Europe économique qui soit capable de peser comme un acteur dans la mondialisation, qui soit capable d'agir pour la régulation, régulation monétaire, régulation financière, régulation économique. Je constate, malheureusement, que l'Europe aujourd'hui est en crise. Qu'elle est en crise politique parce qu'elle est mal dirigée. Une Commission européenne qui est dirigée à l'ancienne par un libéral d'un autre temps, M. Barroso, alors que la période est plutôt une période, encore une fois, qui appelle la régulation. Un président du Conseil européen dont on nous dit qu'il est très intelligent, je n'en doute pas, qu'il va se révéler, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'il est là, M. Van Rompuy. Et une ministre des Affaires étrangères, autre représentante, Mme Ashton, qui est, je le crains, malheureusement, une erreur de casting, qui s'intéresse assez peu à ces sujets. J'étais en Amérique latine il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'elle ne connaissait pas ce continent et qu'elle ne s'y intéressait pas. Et une Europe peu dirigée, avec des gouvernants nationaux. M. Sarkozy ne fait pas exception à la règle. Mme Merkel, hélas, non plus. C'est rare pour une chancelière allemande qui ne s'occupe pas de l'Europe politique. C'est une Europe qui part à volo, c'est une Europe qui s'affaiblit, c'est une Europe qui ne joue pas son rôle dans le monde. Je continue de plaider pour cette Europe politique. Je constate la désaffection de nos citoyens. Je constate que les jeunes, les ouvriers, les paysans, les catégories les plus populaires se sont détournés de l'Europe. Je suis inquiet de cet euroscepticisme. Je souhaite que le débat européen ne soit pas le grand oublié des élections présidentielles qui viennent. Je souhaite au contraire que chaque formation politique... Alors évidemment, M. Sarkozy n'aura pas de proposition, si ce n'est qu'il chantera, vantera les mérites de sa propre action, qui n'est pas si bonne que ça depuis qu'il est président de la République en matière européenne. Je souhaite que la gauche ait une proposition européenne forte à soumettre à nos concitoyens. Une relance politique, non pas à travers un nouveau traité, mais à travers des institutions mieux incarnées, à travers un rôle accru au Parlement européen, à travers des politiques concrètes en matière d'énergie, en matière de recherche, en matière d'éducation. Je souhaite que l'Europe soit relancée à partir notamment du couple franco-allemand. Nous devrons dire aux Allemands que nous ne souhaitons pas les imiter, c'est ce que fait M. Sarkozy, mais que nous voulons une politique qui ne soit pas une politique d'austérité, une politique de relance, une Europe qui ait aussi sa conception de son rôle dans le monde. Bref, on m'aura compris, l'Europe reste plus importante que jamais. Ce débat, nous ne devons pas l'esquiver, nous devons au contraire l'entretenir. Et il me semble qu'il appartient aussi aux gouvernants de ce pays d'exercer une forme de pédagogie. J'ai été très frappé des mutations que nous avons accomplies à la fin des années 90. Après tout, c'est le moment où l'Europe s'est engagée dans la politique étrangère, où elle s'est dotée d'un début de défense, où elle a réalisé l'euro, où elle s'est élargie, où elle a voulu se doter d'une constitution. Et comme ministre, j'ai vécu douloureusement le fait que jamais ces sujets n'étaient à l'agenda du gouvernement. Les jeunes sont européens, la France a besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de la France. C'est dommage que la France se sente un peu aux abonnés absents de cette construction, ou bien que nos gouvernants continuent de penser que l'Europe c'est bien si c'est la France en grand. L'Europe c'est autre chose que la France en grand. C'est un avenir que nous partageons, c'est un refus du nationalisme, c'est une construction politique formidable, qui est une construction qui doit être à la fois de nature fédérale et respectant les nations. Cet engagement, il est au cœur des miens depuis toujours. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi
que je continue à enseigner un peu dans votre maison Sciences Po. Je donne un cours en deuxième année, au deuxième semestre, sur cette question européenne. L'Europe, plus que jamais, comme le disait Mitterrand, doit être non seulement notre avenir, mais notre présent. Et je souhaite que les politiques n'oublient jamais ça. Nous sommes trop peu, je le crains, à en parler. En tout cas, moi, je n'y renoncerai pas.